Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce sera peut-être difficile. Mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Poufsouffle. C'est donc ça l'entrée ? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Poufsouffle. Pardon ? Vous êtes sérieuse ? Ah, oh, François a l'air tellement perdu. Rassurez-moi, je vais pas devoir retenir ça. Allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Merci à vous. Elle est gentille, je l'aime bien. Ah ben c'est déjà le matin, ok. Tout le monde est déjà parti ? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Alors, d'abord, on va aller dans le menu parce que je suis curieuse. Sauvegarder. Bon, on va sauvegarder là. Hein. La sauvegarde manuelle, c'est très important. Non, ça, c'est le menu normal, mais j'ai pas accès aux autres trucs. Ok. Là, t'es obligé de prendre la première pomme venue. Donc, tout le monde est déjà parti. Alors, j'aurais bien voulu regarder la salle commune. Trouver votre salle commune. Ah, c'est ici, chez Poufsouffle. Ah, c'est super cool, en fait. J'aime beaucoup l'endroit. Franchement, c'est très cosy, je trouve. Et ce coffre-là, est-ce que j'y ai accès ? Coffre de maison. Ah bah oui, pour le moment, j'ai pas le droit d'y toucher. C'est l'élève de 5e année qui vient d'arriver. Ah, on doit se présenter aux gens, d'accord. Adélaïde, Arthur et Lénora. Donc on a... on peut se présenter à des camarades, très bien. Lénora. Voilà. Bonjour. Salut. Elle est majestueuse, n'est-ce pas? C'est ton hibou? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses Poufsouffles. Après tout, les hiboux choisissent qui ils fréquentent. Attends, tu es le nouvel élève de 5e année? Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Alors, je ne m'en fais pas, j'ai beaucoup de retard. Alors... Est-ce que je le fais plutôt modeste? Je veux pas que ça paraisse trop confiant non plus, en fait. C'est pas son genre. Enfin, selon moi. Mais je veux pas en faire forcément un qui déprime parce qu'il a beaucoup de retard, quoi. Je ne m'en fais pas. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ira bien. Mais quand même, positif. C'est très inhabituel. Tu dois te sentir terriblement mal à l'aise. Bien sûr. Tu dois savoir travailler dur comme tous les Poufsouffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lénora, au fait. Lénora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. Très gentille, hein. Enchantée, et ça quitte le dialogue. Tu penses que tu aurais dû être à Serre d'Aigle ? Tu penses vraiment que tu aurais dû être à Serre d'Aigle ? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une Gryffondor, et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. La détermination, la bravoure, l'audace. Le vieux choix-peau magique avait le choix avec moi. D'accord. Eh bien, enchantée, Lénora. C'était un plaisir, Lénora. Bien sûr, au plaisir. Bah en tout cas, je l'apprécie, elle est très sympa. Alors, au suivant... Tiens, ça va aller. Je crois que lui, c'est Arthur. Arthur Plumley. Bonjour. J'arrive pas à l'atteindre.
Venez, il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore, parfois. En fait, bienvenue à Pouf Souffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci. C'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat ? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout ceux qui sont magiques. Alors, quel dommage, j'adore les créatures magiques. Non, je pense qu'il adore les créatures magiques. Désolé de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les gringe-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'ils soient en retard pour leur premier jour. Tu as déjà eu un animal ? As-tu déjà eu un animal de compagnie ? Non. Ma mère est une moldue, et dès que le boursouf que mon père a ramené à la maison a mis sa langue dans son nez, il est retourné direct au magasin. Ah, c'est pas de chance, quand même. Eh bien, bonne chance, Arthur. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver ce chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Et à ça, je promets rien, quand même. Hein. Et maintenant, on va aller voir Adélaïde. Adélaïde Duchesne. Oh, mon oncle, je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Tu viens d'entrer à Pouf Souffle, non ? Je suis Adélaïde, ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien ? Oh, oui, mais j'ai la tête ailleurs, à cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon ? C'est un piège ! Ah ! J'ai pas envie d'en parler, ça fait vraiment... distant. On va dire oui. Cette rumeur est vraie. Assez unique comme rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que t'aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Est-ce que ton oncle va bien ? Tu es sûre que tout va bien avec ton oncle ? Oh oui, il voyage pour son travail, il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Y a pas à s'inquiéter. D'accord, ben ravi d'avoir fait ta connaissance, Adélaïde. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir, et bonne chance. La dernière recrue de Pouf Souffle est-elle enfin levée ? Le professeur Weasley voudrait lui dire deux mots dans la salle commune. On va aller voir le professeur Weasley dans la salle commune. Devant la salle commune, pardon. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. Oui, normal. Parce qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Ça tombe bien, c'est... J'allais dire que c'est une buse. Le professeur de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Ah, d'accord. Après avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Exceptionnelles, rien que ça. Wow. Tenez, voilà. Ça fait beaucoup de pages, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Merci. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par « suivre ma progression » ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Eh bien, d'accord.
Par contre, est-ce que j'ai droit? Non, j'ai pas droit à chipoter à ça tout de suite. Oui, oui, j'arrive, professeur Wesley. Vous inquiétez pas, je vous suis. Même si mon... Même si François... vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Parce que j'ai l'impression quand même que je marche plus vite qu'elle. J'aurais aimé avoir quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah, je suis juste derrière vous, je peux pas faire mieux, hein. Lancez simplement Réveillon dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Sur quoi? Ah, sur ça? Réveillon. Je récupère la page. Livre de recettes des elfes de maison. Ce livre qui contiendrait des créations originales d'Elga Poufsouffle, je vais y arriver, rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. Avec le temps, hein. Oh, d'accord. Vous venez de débloquer un défi du sorcier, du guide du sorcier. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. D'accord, on va voir. Alors, voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Donc je dois faire pas mal de défis, très bien. Le guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Alors... Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé. Des tenues aux améliorations essentielles. Donc là, on a récupéré... Récompenses d'apparence, d'équipement. Très bien. Des récompenses doivent être récupérées dans le menu de défi. Faut le consulter souvent. Très bien, ça me va. Pas mal, n'est-ce pas? Oui. Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Est-ce que je peux... Voilà, merci. Donc nous, on est niveau 1, forcément. On a la carte, on a les quêtes, aucun devoir. Ok. Je suis juste derrière vous. C'est pas la peine de me regarder avec cet air inquisiteur, madame. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Vous avez découvert un point de déplacement rapide par la flamme cheminette. Pour ouvrir... Vous pouvez ouvrir votre carte à tout moment et vous déplacer rapidement vers les flammes cheminettes. Oh, ben c'est cool, ça. Poudlard est divisé en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs. Donc, les salles communes, très bien. Donc, ça, c'est la partie gauche. Sélectionnez la zone de la grande salle pour continuer. Donc, les autres trucs, j'ai pas trouvé. Ah, d'accord. Ah ouais, donc du coup, je peux directement aller à la salle commune Poufsouffle directement. Ah, c'est cool, ça. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes cheminettes disponibles dans la zone. Quand elles sont vertes, c'est que vous les avez découvertes. Si c'est gris, bah, vous les avez pas encore trouvées. D'accord. Le côté droit se trouvent les points d'intérêt académiques, tels que la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Alors, l'aile d'astronomie, l'annexe de la bibliothèque, j'ai pas encore été là-bas. Professeur Wesley a débloqué la flamme cheminette de hall central pour vous. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. D'accord. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. D'accord. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. À Préolard. Alors, puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège?
En quoi consiste le... Alors, on va demander qu'est-ce que le Préolard. Vous avez mentionné Préolard, professeur. Le Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal ? Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. D'accord. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekat pour enseigner cette matière à nos élèves. Et sur les cours de sortilège ? Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. D'accord. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Eh bien, merci, professeur. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. D'accord. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Non, je regrette. Je le vois pas comme un menteur, en fait, même pour... on va dire oui. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Voilà. Des ruines, vous dites ? Bon... J'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. D'accord. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Je dois parler au professeur Fig, j'imagine. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Ce n'était rien, monsieur. J'espère ne pas en avoir trop dit. Je n'ai pas osé mentir. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet,
Et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Vous pouvez suivre les cas disponibles depuis la carte. Ah, depuis la carte, d'accord. Alors, l'icône représente la quête principale. En terminant avec des quêtes principales, vous progresserez dans l'histoire, débloquerez des nouvelles fonctionnalités, obtiendrez de l'XP. Très bien. Ah, il y a des trucs à découvrir, des pages du sorcier et tout. Oh, c'est cool. Alors, certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège ou nécessitent un certain niveau. Dans ce cas-là, vous devrez atteindre le niveau requis ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. D'accord. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs. Oh. Ou en tant que récompense de quête. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Olar, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Donc on a terminé la quête Bienvenue à Poudlard. C'est par là.